Voilà. Du coup, bah, changement de programme, mais pas que. Il y a un autre changement de programme ce week-end. Pardon, pardon, pardon. Ah mince, non, j'aurais pas dû fermer cet onglet dans mon navigateur. Tant pis, c'est pas grave, je le rouvrirai tout à l'heure. Il est où mon jeu? Il est là. Il est là, mon jeu. Alors vite que zappe le truc parce qu'il va faire un enfer. Voilà, hop, c'est bon, c'est passé. Que voulais-je dire? Oui, je suis en train de dépoussiérer, manipuler et redisposer ailleurs chez moi mes PlayStation. Et pour le moment, elles sont pas rebranchées. Demain matin, il n'y aura pas de Final Fantasy puisque c'est sur la PS3. Donc à la place, je vais sûrement faire par exemple du Far Cry 2. Et peut-être le finir d'ailleurs demain, Far Cry 2. Si j'y joue une longue session de 4-5 heures, je vais peut-être finir l'histoire principale demain. Donc ça pourrait être une session intense de Far Cry 2 demain. Voilà, voilà pour les infos au niveau des perturbations. Je crois que je ferai pas du Portal 2 non plus demain. Je vais plus faire du Arx Fatalis dans l'après-midi, voyez. Ça permet de, moi, me faire plaisir déjà. Et varier un peu le contenu. Mon cerveau me dit de. J'arrive pas à vous faire la causette et à réfléchir en même temps. C'est. Ça signifie que j'ai un niveau de fatigue assez appuyé pour ma semaine. Il faut absolument que je vois le chat, que je puisse vous lire devant. Du. Voilà, je te relis, Edge. Ah, avant, 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 quel contrôle? Dis-moi qu'au niveau des contrôles, il m'a pris la manette. C'est la manette, ok. Ça me va très bien. On va continuer dans la classe rue parce que je suis qu'à la moitié. Et en gros, quand j'aurai fini les championnats là, déjà je suis premier partout, dans l'idée, je découvrirai totalement cette fois-ci, parce que je ne connais pas du tout avec vous le premier Flat Out, parce que là c'est le 2. Mais j'ai le plaisir d'avoir pu m'offrir pour une bouchée de pain 50 centimes. Ah, j'ai pas changé mon titre, oui, mais c'est normal, oui, non, j'avais prévu. Parce que comme je fais relais de chaîne à 15h à FunFan tout à l'heure. Pour le sanitarium, ceci explique cela. Je vais essayer de réparer la navigation dans Starbound. Ah, bien, Edge. Oui, c'est bien, tu continues ta partie de ton côté. C'est très très bien. Oui, tu peux le faire. T'as pas besoin d'être connecté au serveur de. Ouais. De Petit Seb pour cette quête-là. C'est bien. Je pense que tu peux te faire peinard ta première journée de Starbound de manière indépendante. Et, très très bien. Ouais, tu fais bien, Edge. Pardon, c'était une parenthèse Starbound. Cinquième. Ouais, je vais essayer de me défendre dans cette. Oh, championnat du fou! Gâchis course! Mon dieu, je ne sais plus comment disposer mes périphériques. Ma manette. Tch, tch, ma manette. Tch, tch. Voilà. Manette! Oh merde, faux départ. Ah, j'ai pas mis de musique! Musique! Je peux mettre de la musique en arrière quand même pas. Bonjour le baron! Comment que ça va le baron? Ça y est, c'est parti! Il va y avoir de la dos le froissier. Sauf que là, attention, c'est un championnat, il vaut mieux finir premier et pas en morceaux. Faut trouver un juste milieu. La 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 la. Je n'ai plus que le virage de serré. Explosion. Merde, j'ai mal pris mon plein. Oh, joli! Comment je me suis catapulté par accident? Ouais, tu vas bien, c'est cool le baron. Bah, dans l'ensemble, tout le monde va bien donc. C'est heureux constat. Oh là! Il est allé sur le top pour partir de travers.
vache, je suis entre guillemets que 5ème sur 8. Non, non, faut s'accrocher et puis on va avoir une vitesse moyenne qui est assez élevée. Allez, blanc! Comment que j'ai bien fait du rentre dedans, Sophia là? Il était si étrange. Le côté perfectible de la physique du jeu. Alors oui, je vois que ça s'agite dans le chat. Vous comprendrez que je lui verrai une fois ma course terminée. Alors soyez rassurés, celle-là est plutôt courte. Et pendant qu'on se mettra ensemble le ralenti, vue caméra de télévision, mes péripéties actuelles, j'aurai tout le temps de vous lire et de vous répondre. Ah! Ne jamais freiner dans une plaque d'huile. Sinon, c'est le dérapage incontrôlé. Et vous partez en tête à queue, comme on dit. Dans le jargon. Aïe. Oh, je te narque, Sophia! Tu deviens si nerveuse. C'est pas comme si Jack était encore plus menaçant que moi. J'ai envie de dire, avec un peu de chance, il fait de boum pour moi. Enfin, si j'arrive à stabiliser mon véhicule. Allez, je vais essayer d'assurer le podium. Attention. Tiens, elle passe sous les tribunes. Je suis surpris de son choix. Oh, je suis deuxième. Et bien content de l'être. Cool. Oh vache. Non. Oh, je signe le meilleur temps autour, dis donc. Presque une 9 parfaite. Regardons le ralenti. Alors, c'est là où je te tourne dans le chat que je pourrais dire. Tu rentres dedans avec Sophia, petit. Oui, exactement. Alors, Torota, tu dis pour State of Decay, tu penses le diffuser ou le jouer en... Alors, jouer hors antenne, je doute vivement que je puisse en avoir le temps, parce que je me promets, voilà, de donner mon état d'esprit trop tard. En semaine, quand je suis en jour de travail, je suis sous Linux. Or, Linux, c'est pas vraiment un système d'exploitation pour jouer. Enfin, dans ma manière de faire. Et Windows, pour jouer, je... l'allume, je ne l'active que le samedi et le dimanche quand je suis avec vous. Donc l'idée de jouer en antenne est très peu probable. Après, le diffuser, moi je veux bien que tu me fasses une initiation et que j'ai plaisir de le découvrir avec toi prochainement. Le prochainement étant conditionné par deux choses. Une, que je planifie et je te contacterai d'ailleurs, hein, pour rassurer ton retard. Je t'enverrai un MP en disant tiens, je vais peut-être commencer State of Decay à telle date. Et je te remercie d'ailleurs, hein, justement, que tu me l'as offert. T'es adorable, merci. Et je vais le découvrir, hein, je connais pas du tout. Et de deux, il faut que je m'assure déjà de le télécharger et de l'installer, chose qui est absolument pas faite depuis que tu me l'as offert. Puisque, souvenez-vous, dans mes péripéties, j'avais. Pas réussi à relancer The Elder Scrolls Online. J'ai fait le nécessaire là ces 15 derniers jours pour pouvoir relancer Tezo. Je pense pouvoir y jouer un peu demain. On verra si Torota par exemple demain t'es disponible un moment dans la journée pour faire du Tezo, je serais ravi que tu m'accompagnes. C'est vrai que j'en ai pas parlé à Christella, dommage parce qu'elle aime bien le jeu aussi, elle est partie jardiner. Mais voilà, il y a moyen. Je pense que je pourrais faire du Tezo aussi puisque je fais sauter mon Final Fantasy de demain matin pour cause de console non branchée. D'ailleurs, je sais honnêtement, très honnêtement, je sais pas encore comment je vais rebondir pour rebrancher les consoles. Parce que
que je les ai vraiment déplacés d'un bout à l'autre de ma pièce et je veux pas faire courir de rallonge. J'en ai marre, justement, c'est pour ça que j'ai procédé à cet aménagement, c'est pour que ce soit plus simple et plus efficace. Wally Wallou, tu sais tout mon cher Corota, tu as bien fait de me soumettre la question. Tiens, j'ai rebondi sur ta remarque avec J-Club, là, du rentre-dedans avec Sophia. Je crois, j'avais bien regardé parce que j'étais parti à la découverte du menu principal de la configuration demandée par le premier opus de Flatout. Et dans le 1, je crois qu'il n'y a qu'un seul personnage, bon, c'est pas Jack Benton, qui est le seul qui soit en lien avec le deuxième. Tous les autres pilotes sont nouveaux. On verra, on découvrira ça ensemble aussi, mais le peu que j'avais manipulé le premier opus, je m'étais aperçu de tiens, c'est pas les mêmes pilotes non plus. Ce qui est pas plus mal, hein. C'est très sympa. C'est très sympa. Voilà. Continue, coupe, exactement. Tac tac tac, un peu de thunes bonus. Oh, pas mal de thunes bonus. Vache, comme quoi j'ai vachement bien piloté. Ouais, bon bah, pourvu que ça dure, comme dirait le regretté Jean-Yves Lafesse. Il a fait un mauvais départ devant moi, merde. Aou. Je m'attendais pas à finir comme ça. Ouch. Qu'est-ce que c'est que ce... On aurait dit un roux, un volet. Trop bizarre le débris que j'ai eu dans la tronche. Oula, la cocotte elle a 26 mètres au-dessus de la montagne. Et vu la trajectoire sur laquelle j'ai lancé, elle a été propulsée, mais alors quelque chose de bien. Ah, il y a trop de débris sur cette route. Du la tu dis, du dis, du da. Oh merde. Bah c'est bizarre. Je pilote un 4x4. Mais c'était quoi cette réception à la mort moelle-neu là? Mais vraiment nul, c'est beau. Trop tentant. Bref. Non, c'était bizarre là, j'ai pas pigé pourquoi j'ai une réception aussi catastrophique. Oh mince, un casque. Un 4x4, je vais dire un casse-casse. Tant que c'est pas un pouce-pouce, ça me va. Allez, bougez-vous. Et comme dirait Nash, pour reprendre sa célèbre formule, caché ou pas caché. Yahweh. Oui. Oh, cette pipe en pupille. Hey, je suis troisième. Oh, on est à mi-course et Frank Malkoff est déjà hors jeu. Oui, du tout. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, j'ai dû m'encastrer. Parce que je pouvais plus rien faire. J'ai mal lu la trajectoire et je me suis fait avoir. Ah, oh, ce serait tellement bien que je parvienne à m'assurer d'un podium. Oh là, explosion. Pas évident, pas évident. Pas évident, on l'a dans les dents. Bon bah je suis rassuré de voir que je suis pas le seul à perdre.
à pas réussir mes réceptions. Oh bah là c'est une catastrophe. Non, là j'ai pas de podium là. Et me valdinguer comme ça et m'accrocher au décor à quelques mètres de l'arrivée, c'est foutu. Ah mince. Mince, mince, mince. 5e sur 8e. Là j'ai joué de malchance. Ouh. Ah bien. Ah si, j'allais dire... Si, ah bah non, c'est moi que je suis bête. Non, mais il n'y a pas une voiture qui se... Oh là là, ce départ. Il n'y a pas une voiture qui se ressemble. Encore que moi, je change d'aspect. Sachant que j'ai le même modèle de 4x4 que... Pick-up, même, on peut dire. Que Sophia Martinez, justement, l'a dénommé. Pour une fois qu'on parle pas de Kelly, c'est Laure, je crois, de son nom, de famille. Ibi. Hey, je suis en train de penser à des jeux en commun. Je me retourne vers toi et Jay. Il faudra qu'on se refasse. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça. Tu sais le Tetris avec les magiciens là. Le nom va me revenir. Tricky Towers. Il faudra qu'on essaye de s'en refaire avant Noël. C'était rigolo ça. C'était rigolo. Mais c'est beau quand même le nombre de jeux qu'on peut se faire entre nous. C'est cool. Ouais, avec plaisir. Ouais, tu m'étonnes, plaisir partagé. Non, ça fait longtemps le Tricky Towers. Je vais retrouver largement, je pense, mon niveau de débutant. Hein, parce que le temps de me remettre dans le bain, dans la physique du jeu, d'avoir les bons réflexes, de connaître les touches. Parce que il y avait magie blanche, magie noire, je crois, au niveau à la manette là pour les sorts au choix. Et non, on rigolait bien. Franchement, déjà en solo, j'avais fait un tout petit peu pour avoir, je sais plus, 2-3 trophées de base et faire le duo. C'était tuto que j'ai pas fini d'ailleurs, je crois. Le championnat principal, j'avais pas fini. J'avais fait que le début. C'était pas évident. Hein. Mais entre copains, en multi, on se rendait la peau à chaque fois. C'est une garantie de fou rire, c'est trop bien. Enfin, du moins de bonne humeur, si je suis modeste. Mais ouais, il est vachement bien. Tricky Tower, pour ceux qui connaissent pas, je vous le recommande. On va dire que c'est un Tetris 2.0. Pour faire simple. Oh, la valse des objets. Je me suis bien fait emboutir, hein. J'ai envie de dire, j'ai équitablement bien réparti les dégâts, hein, que ce soit l'avant ou l'arrière. Je suis même surpris d'avoir encore une portière côté conducteur. C'est violent. Ah ouais, non, ça c'était vraiment dommage. D'avoir merdé l'arrivée, c'est vraiment dommage. Alors le baron dit, on dirait le véhicule de Paul Walker de Fast and Furious 1. Ils s'en sont peut-être inspirés. Il faudrait vérifier, tu sais, les dates de film et du jeu. C'est peut-être un clin d'œil. Hein. C'est peut-être un clin d'œil. C'est vraiment pas à exclure. Ou un hommage, si on veut le voir comme ça. Ah, Sally a cartonné, Sally Taylor. Ok, allez, 3e course sur 6. Je vais essayer de me défendre. Mais il s'est pas démarré lui, c'est incroyable. À chaque fois je l'emboutis dès le départ. Oui, du coup. Stabiliser le véhicule. N'ai jamais sauté en tremplin en ayant une trajectoire correcte. Et je ne me lasse pas de voir la pleine lune, du moins la lune. Oula, 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 là, je roule dessus la malheureuse. C'est bon. Ah,
Il y a peut-être un jeu que j'ai fini de bagnole, que je vous ferai peut-être un jour, parce qu'il m'a laissé une bonne impression de... Alors c'est un jeu de bagnole arcade façon Need for Speed, si je puis dire, mais très coloré et qui est vraiment sympa, moi il m'a laissé une très bonne impression. C'est Blur, B-L-U-R. Blur, je dirais pas non à refaire dans le futur. Alors pas un futur proche, mais je vous ferai peut-être d'ailleurs avant, je vous ferai peut-être enfin un Need for Speed sur mon antenne. Il y en a que j'aimerais refaire et il y en a d'autres que j'aimerais découvrir. Mais Blur, je crois que j'y jouais en 2010, si je dis pas de bêtises. Il est plus tout jeune le jeu. Mais franchement, il était vraiment sympa. Par contre, je sais plus si les ralentis après course étaient bien gérés. Parce que s'il y a que des courses et pas de ralentis. Pour la dynamique de diffusion, le fait que moi je puisse vous accorder du temps dans le chat, ça peut être gênant. Je sais pas, faudra qu'à l'occasion je vérifie, mais... Ou alors, si malheureusement le jeu s'y prête pas, ce sera du coup mes rediffusions sur YouTube. Parce que ma première carrière dans Blur, j'ai dû la filmer, je crois. Ouais, 2010, je m'enregistrais déjà, donc... Je crois pas que je vous l'ai mis sur mon YouTube, mais ça doit être dans les cartons, dans l'idée. Oh, j'ai gagné! Je vous fais la causette. Je suis hypnotisé par ma course sous mon fond de causette, et je me rends même pas compte que je la remporte. Bon, bah c'est cool, c'est tout bénef. Là, je pilotais de manière hypnotique, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Oula, oula là, il y en a un qui s'est ramassé, mais il s'est complètement viandé au départ avec le premier tremplin. Ah non, mais là je l'ai pas loupé la malheureuse. On l'a vu, je lui ai roulé dessus. Violence, violence routière. C'est ça, exactement une scène. Ah, mais... Oh, le cri! Ah, il y a une demoiselle qui a été éjectée hors de son cockpit de conduite, la pilotage. Et calme les citernes d'essence sur le bord de la piste. Oh, le monde. Merde, ah, j'ai eu peur. Attends, j'ai zappé vite. Oui, non, ça va. J'ai cru que j'avais fait une bêtise dans les menus. Ok. Donc, quatrième circuit sur 6. Wouh! Allez, on s'accroche. C'est l'heure de la purée à Fenfan. Oui, tu as raison. C'est aujourd'hui qu'il a dégusté. Ouais. Il a
Oh! Oh, on l'a vu comment il s'est encastré dans le... Oui, oui, oui. Oh. Non, fallait pas faire ça, malheureux. Et B. Ah, ça se défend ardemment, la première place. Hein. Oh, la violence. Wouh! Oula, j'ai trop freiné. Ah, ça pardonne pas, ils m'ont déjà dépassé. Pas le droit à l'erreur, hein, ce niveau de championnat, là. Dur. Dur, dur, dur. Voilà, on va rester sur la partie gauche de la piste. Celle qui est pas en tranchée. C'est toujours au dernier tour que je fais des idioties, que je perds tout mon gain. Non. Ce jeu est cruel. C'est, en fait, mais c'est logique, c'est parce qu'il y a tellement de débris sur la piste que ça devient ingérable. Dans ce jeu de quilles. Oh, Katie et... Oh, Sophia! Bah tiens, les filles se seraient-elles neutralisées? C'est cool ça. Deuxième. Ouais. Ouais. C'est bon ça pour le championnat. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Pili, pili. Ouais. Le même modèle, mais pas le même aspect. Bon, bah, quoi qu'il en soit, c'est bien, ça va faire de la tunasse dans l'escarcelle, ça veut dire acheter des améliorations, voire un autre bolide. Mais lui, je crois que je l'ai amélioré à moitié. Je l'ai amélioré en... comment dire... amortisseur châssis pour qu'il soit plus facile à piloter. Mais il me reste à améliorer la performance. Tout ce qui est moteur et injection... Je devrais gagner en vitesse de pointe et en accélération dans mes prochains investissements. Ce qui fait que je devrais pouvoir me maintenir à niveau et me défendre dans les championnats suivants. Bibi. Et sorti de ce championnat, je vais essayer de faire un peu les épreuves spéciales. Parce que je vous ai pas fait les fléchettes, les... cercle de feu, je l'ai fait qu'une fois, vous voyez, le jeu de quilles, j'aime beaucoup le jeu de quilles. Le bowling, là, version flat-out, c'est très drôle. Avant de revenir à un championnat suivant, histoire de varier les goûts et les désirs. Parce que c'est vrai que ça, je le néglige, je le fais pas souvent et j'ai tort. C'est un des aspects particuliers et très amusants du jeu. Deuxième tour, je crois, là. Non, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Mais j'essaie de maintenir mon rythme possible. Ah là 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 là. De quoi je voulais éventuellement vous parler spontanément ce week-end sur mon antenne, je sais plus. Alors, niveau programmation hein, d'antenne, tout à l'heure à 15h, je fais relais de chaîne à FunFan. Vous savez que j'ai plaisir à faire épisode commenté chez lui. Il va continuer les aventures de Sanitarium, dont on a eu le plus gros de l'intrigue dévoilé au précédent épisode. FunFan vous fera un résumé tout à l'heure sur son antenne. Et moi, je suis content d'avoir trouvé quelques infos sympas
Donc je vais pouvoir vous en faire la surprise tout à l'heure dans mon dit commentaire. Non, non, franchement bien, un jeu enrichissant en tout point, Sanitarium. Et j'ai un mystère d'ailleurs. Un mystère à résoudre dans l'immense univers... oh la voiture. Vidéoludique. D'un salarié dont je vous déclinerai l'identité tout à l'heure, qui a bossé donc de facto sur Sanitarium, puisque j'ai étudié le générique du jeu, mais qui serait lié à mon jeu favori, vous savez, mon jeu de rallye, là, le Mobile One Rally Championship. On fera le point tout à l'heure sur ce mystère, j'avais pour moi. Je vous donnerai mon point de vue en vous donnant tous les éléments de réflexion. Alors, la cinquième course, je crois, hein, sur les six, non? Alors que je suis en tête du championnat. Eh, je fais pas l'idiot, ça sent bon. Eh, je vais pas me porter la poisse, je vais me taire, mais... Le reste du débris en pleine trajectoire. Au moins la chicane elle est débrouillée pour le prochain tour. Après là. Échafaudage en moins. Oh là, oh là, oh là là. Je ne voyais plus la route, magnifique, c'est neutre. La conduite est plus que sportive, je crois. Non merde, trop vite! J'ai tiré plus droit. Ah, j'ai gagné un peu dans la bataille. Ouille! Je me fais engloutir, salopard. Oh merde! Ah bah non! Oh! Très original! Je savais même pas que je pouvais franchir la chicane de cette manière. C'est... Le ralenti va être joli, c'est très stylé. Tiens, mon poil de bon. Wow, joli saut. Oh vache. Merde, je perds le contrôle. Non, relance-toi sur la piste. Non! J'ai pas vu la remarque. Un malheur à mouer! Attends, je vous lirai tout à l'heure. Ah, j'ai vu que tu balances des infos culturelles, Tunsen. J'ai vu le mot-clé de la célèbre plateforme de vidéo à la demande, là. Attends, je te lirai après en toute lettre. Frank McGon a été pris en piège. J'ai la violence. Oh, attends, là je vais peut-être freiner parce que oui, non, mais ça ira, j'en ai pas. Ça déconne zéro. Mais je trouve qu'ils ont bien travaillé l'effet grisant de la vitesse dans ce jeu-là. Je sais pas si vous, ça vous le fait à l'écran en tant que spectateur. J'ai un effet hypnotique d'ivresse de la vitesse. Waouh! Ça me donne plein la vue, c'est vachement fluide, c'est vachement bien. Ah, quatrième. Ah la vache. Dur. Oh! J'ai le meilleur temps. Ah la vache! Ah ouais! Les chronos sont intéressants à observer. Eh bien, jolie course, balèze mais jolie. Alors, de la reproduction de limaces en milieu glacier. Non. Netflix a sorti. Ah oui! Oui, j'ai eu l'info qui m'est passée sous le nez. D'ailleurs, merci à vous toutes et toutes. Vous êtes nombreux, parfois certains dans un domaine spécialisé, à me donner des infos et à nourrir mon Discord en semaine. Et merci tout plein, j'adore. Je vous mets souvent smiley pour vous dire que j'ai lu votre
votre article, merci. Netflix Win, série Tomb Raider, les quelques lignes que j'ai, enfin les croquis que j'ai vus, les captures d'images me semblaient classe. Ça me semblait charmant. Ouais, bien vu, merci Tutsen pour le refun fan. Non, c'est cool. C'est, moi j'y suis bien, mon niveau culture c'est bien, c'est sympa. Ah, et pour ceux qui aiment Lara Croft, vous savez que j'adore aussi. J'ai pas pris le temps de me décoincer, me décongestionner de mon Tomb Raider 4. Oh, joli, trop stylé, il faudra que je me le clip le gadin là, il est beau. Tomb Raider 4, il faudrait que je regarde les excellentes vidéos de Bob Morlock pour me décoincer et me remettre dans le bain, parce que les mois passent et j'aimerais finir vraiment Tomb Raider 4 pour passer au suivant. Et ce sera à coup sûr avec délectation, parce que à part les deux premiers Tomb Raider que je connaissais bien historiquement parlant là, le 1 et le 2, les autres je les connais pas en fait, enfin on peut. Donc c'est le bonheur de la découverte, c'est trop bien. Puis j'y retombe en enfance. C'est plutôt jeune comme saga Tomb Raider. C'était de l'époque de la première PlayStation. Alors Tunsen dit, ça pourrait se négocier pour te passer les fichiers de la série. Oh, alors t'es adorable. Puis attention, fais attention quand tu déclares ça en direct. Enfin même voilà, on prend pas gérer nos publics respectifs pour des nigos, mais. On va dire que c'est une pratique hein plus que non recommandable, répréhensible par la loi, voilà, les sites louches exactement. Mais non, là honnêtement j'aurais pas, ces temps-ci j'aurais pas le temps de l'apprécier, de la consommer. C'est gentil à toi de me faire la proposition, mais pour le moment franchement je décline. Ce sera pas cette année ni l'année prochaine, je pense pas. D'ailleurs, il n'est pas impossible, comme ma famille sait bien que j'aime beaucoup le personnage de Tomb Raider, enfin de Lara Croft, pour peu que tu sais qu'ils en fassent un coffret DVD plus tard dans les années à venir ou équivalent, ma famille pourrait peut-être me faire l'immense plaisir de me l'offrir en cadeau, tu vois. C'est pas exclure, comme ils ont bon goût de m'offrir ce que j'apprécie. Continuez la coupe, oui, pardon. Avec la magie de Noël. Ah, c'est déjà dans 3 mois Noël. Non, même moi d'ailleurs. Attends, on est non, on va être début octobre. Ça va être dans, oui, si, oui, c'est vrai que c'est fin décembre. Oui, c'est dans 3 mois. Mais ça va vite, mon Dieu. La magie de Noël. Allez, courir. Allez, dernière course. Si je fais pas l'idiot, je pourrais presque encore prétendre gagner le championnat. Vive la raclette. C'est malin, ça. C'est malin. Voilà. Tu fais comment, malheureux, maintenant que je t'ai harponné? Bon, on va finir dernier, mais... je vous dépose où, monsieur? Merde, c'est nul. Alors, c'est nul à double titre, au niveau de l'action et au niveau de la performance. Vous voyez, je vais sûrement perdre mon championnat à cause de cette ânerie qui m'a fait rigoler. Non, c'est pas grave, le jeu, c'est le jeu. Allez, go. Vas-y, j'ai 4 tours pour attraper tout le monde et reprendre le commandement de la course. Alors là, j'ai intérêt à piloter avec la précision d'un pilote de Formule 1. Vu le niveau de difficulté, c'est pas gagné. Aïe 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 aïe. Oh merde, je crois que j'ai touché la passerelle dans mon gadin. Incroyable mais vrai. Allez vite, relance-toi. Oh là là, ce premier tour est une catastrophe. Vite, 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 que je rattrape tout le monde. J'arrive, Sophia. Va falloir que tu me cèdes ta place, Sophia.
Je me moque bien que tu me le fasses payer cher, Sophia. Regarde-moi dans les yeux. Oh, ce face to face. Je fâche à face. Ah, allez, au moins un podium, j'aurais peut-être espoir de prétendre. Aïe. Mais chez qui me bourrine l'arrière-train, ces bandes de malotrus? Podium pour moi théorique puisque troisième sur 8. Vais-je avoir le tuyau dans ce dernier tour de rattraper les deux autres concurrents qui me font face? Il me reste un petit peu de nitro pour stabiliser le véhicule en sortie de virage. Attention aux débris qui sont semés ici et là de la piste. Ça se passe bien ou pas? Si ça va, j'ai juste perdu de la vitesse. C'est nickel. Merde, j'aurais jamais dû taper le transformateur. Non, je vais être sur le podium, mais troisième, pas second. Mais c'est bien. Si j'ai envie de dire, c'est mon objectif minimum atteint. Donc, voilà. On va voir après ce que ça fait. Eh, hey, je me suis vachement bien défendu, vous avez vu mon premier. 48 secondes au tour. Le meilleur au-dessus de moi, il a mis 52 secondes. J'ai piloté comme pilote de F1. Alors, vous dites, la série en question sera courant 2024, pas avant. Oui, bon, tu vois, on verra plus tard dans le futur. Rio, tu dis, on sait que tu aimes ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mon Dieu, mais comment je l'ai embarqué, ce Nigo? Non mais regardez-moi cette scène improbable. N'importe Newek. N'importe Newek. Bon, au moins je me serais vraiment défendu avec Caisse Honneur. C'est cool. Ça y est, une scène qui. qui vient titiller Fanfan. C'est reparti pour un tour. Ah là 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 là. Oh! Oh! Mais c'est bizarre! Alors, on pourrait croire dans un premier temps que j'ai roulé entre guillemets sur un débris qui serait invisible. Mais je me demande s'il n'y a pas mon pare-choc avant qui se serait décroché et que j'aurais eu le malheur de me rouler dessus, si je puis dire. Ce qui aurait expliqué la cascade que j'ai réalisée là, d'aller taper la passerelle par le dessus. Mais. Mon avis, ça aussi, je l'immortaliserai, je le flipperai plus tard. Dans la quinzaine à venir. Pardon. Oui, pardon. Oula, je digère. Oula, je suis en train de digérer mon déjeuner. Oh, c'est tête à tête. Oh, c'est beau. Chibou. Il est bu, il est beau, il est bu à beau.
Vous dites you. N'importe quoi. Eh ben, c'était pas l'arrivée. Ah non. Ah oui, non, il y avait 4 tours. J'avais mémorisé 3 tours, mais non, c'est vrai qu'il y en avait 4. Donc voilà, ça, c'est l'entame du dernier tour. Non, en fait, oui, non, à partir de là, en fait, je maintenais ma position. Et ouais, ouais. Alors, je vais être déstabilisé par, je sais pas, voilà, il y avait un débris. C'est dommage que Jean-Michel Caméra ait zoomé sur mon pare-choc avant, ou du moins mon radiateur. Parce que j'aurais aimé avoir un plan plus large, mais tant pis, c'est pas grave. Parce que le débris aurait pu vraiment me faire perdre ma trajectoire et ma position en course. C'était pas donné. Voilà. Alors, les résultats. Moi. Les résultats finaux. Tour le plus rapide. Ah, je suis heureux. Ah, deuxième. Oh la vache. Vous avez vu Jason. Ah, tu parles, il a remporté les 3 dernières courses. Moi, finalement, vous voyez, j'ai remporté que la 3ème course sur les 6. Mais comme j'ai la meilleure moyenne d'être toujours sur le podium, sauf à la 2ème course où j'ai 4 points. Et encore, j'ai un doute avec la 5ème. Ouais, c'est... Comme quoi peut mieux faire. Mais je suis heureux du résultat. Vraiment. Vous voyez, j'ai même déverrouillé un événement. Eh ben, on va l'honorer. On va aller au speed right. Oh, Terrator. Elle a de la gueule. La Sunray a été déverrouillée. Speed Devil a été déverrouillé. Roar the King. Ah ah, le roi de la route. Oh, qualifié pour le prochain niveau avec de la tunasse bonus. Alors, ça veut dire amélioration de la tuture. Allez. Et vous avez vu, hein, les tarifs sont prohibitifs, la vache. Allez, vlam. Vlam. Attends, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des trucs à plusieurs niveaux. Autant acheter le dernier niveau, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, bah au moins j'aurai la meilleure puissance motorisation. Boîte de vitesse maintenant. J'ai pas cette thune. Ah là, j'ai assez de thune. Qu'est-ce que je peux encore grappiller dans les... Eh ben voilà. Eh ben pas voilà, parce que j'ai pas la thune. Alors, l'événement spécial, il est où? Il est là. On y va. Événement spécial. Ah oui, c'est une arène à l'américaine, ça. Grand classique. C'est quoi cette boule? La vache, c'est quoi cette épargne canon? Mais attends, ils ont quoi dans le sous-capot? Sérieux, là, ils ont greffé un moteur de Formule 1, c'est pas possible. On se croirait presque en IndyCar, là. Enfin, là, c'est la Formule 1 américaine dans les ovales. Mais... Non, il y a la version pick-up comme ça, alors pas stop-car, hein, c'est pas ces vitesses-là, je pense. Enfin, les deux existent d'ailleurs aux États-Unis. Merde, pardon, excusez-moi, je vais me grossier parce que je m'agace. Presque de la NASCAR. Et non pas l'IndyCar. Ouais, presque de la NASCAR. Oui, je pense à un autre truc. J'ai été agréablement surpris la dernière fois que je suis allé dans la coulisse de ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour en fait l'intérêt que vous portez au contenu que je vous offre. Mais vraiment, ça m'émeut, ça me fait chaud au cœur. Vous avez visiblement bien apprécié ma critique du film Gran Turismo au cinéma.
mon interminable critique d'une heure 20 là, une heure et demie d'ailleurs, je crois. Enfin, peu importe. Mais non, vous avez déjà été plus d'une trentaine à avoir ne serait-ce que visionné quelques minutes, quelques secondes, à défaut de d'avoir le courage de vous coltiner tout mon propos de A à Z. Mais oui, merci, c'est une scène. Oui, tu m'avais déjà donné l'info, je sais. Mais merci, voilà, je suis content de me dire que j'ai pas fait ça pour rien et que ça sollicite ne serait-ce que votre curiosité, ou au mieux votre intérêt. Je m'attendais pas à avoir des scores de plusieurs dizaines si vite. C'est cool. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, hein, vos remarques si vous le souhaitez. Vous savez que je suis friand et que je reste ouvert à ça, soit sous forme de commentaires sous la vidéo YouTube en question, ou vous m'écrivez par mail, MP Discord, etc. Vous savez comment m'interpeller, me joindre. Chez chaque et beau. Bon, je reconnais l'intérêt d'une course en ovale à part l'ivresse de la vitesse. Bon. Bon, au moins on l'aura vu une fois. Non, c'est vrai que ça fait vachement NASCAR. Bon, avec plus de castagne, mais il y a vraiment un état d'esprit très américain là. Ouais, non, bah oui, non, mais voilà, championnat de sport automobile, c'est un incontournable. Hein. Il y a autant de saisons de NASCAR qu'il y a de saisons de Formule 1, j'ai envie de dire, sous forme vidéo ludique. Mais ouais, non, c'est obligé. Je m'en fous, je mets pas des vidéos de 6 heures. Une vidéo de critique marche bien mieux qu'une rediffusion de 6 heures de jeu. Bah je te répondrai que ça dépend du jeu, une scène. Alors en moyenne, je te rejoins, c'est. Voilà, je. Mais mes premiers émois, j'ai envie de vous dire, de l'expérience Twitch YouTube, je vous avais déjà dit que quand je faisais le World Rally Championship, vous savez, le simulateur de rallye automobile sur la PlayStation première du nom. Non, je dis des bêtises, la PlayStation 2. Les Espagnols, la communauté espagnole, j'avais ça dans mon tableau de bord de diffuseur, enfin enfin sur YouTube. Ils me disaient, les Espagnols adorent votre contenu, et il y avait plusieurs dizaines qui regardaient mes longues sessions de pilotage. Je l'explique pas, hein, c'est juste que je l'ai constaté. Tiens, je vais essayer de faire l'épreuve là. Je m'y suis jamais lancé. Ah, c'est du football américain. Alors, faites passer l'avatar entre les poteaux, plus vite que possible, le score d'un essai lié au temps, mis pour réussir, ou un échec si vous ratez la transformation. Le meilleur des trois essais qui compte. Ah, intéressant. Je ne me souvenais plus du tout du football américain. Alors, appuyez longuement sur la commande lancée pour augmenter l'angle de tir, relâchez la commande pour bloquer l'angle et tirer. Si vous allez dans l'embut ou que vous sortez du terrain, vous perdez. En vol, utilisez commande d'acrobatie pour manœuvrer l'avatar. Les manœuvres réduisent sa vitesse. Appuyez sur la commande lancée pour qu'il gagne un peu de hauteur. Oui, c'est une arrivée oui, à façon rugby, ouais. Ok, doki. Bon, bah, je vais essayer de me démerder en trois manches. Alors, concentration. Déjà, la sortie de tremplin, il faut pas partir en vrille. Il faut pas accélérer comme un boule. Et là, je vois pas du tout ce que je fais. C'est nul. Oh, le terrain est joli. Ouais. Point de merde. Vous voyez, j'ai complètement merdé. Ça va venir. Courage, j'ai encore deux essais. Bah oui, zéro pointé, tu m'étonnes. Avec un truc aussi naze. Comment veux-tu que je performe? Rocket League. Oh, ça me dit quelque chose, Rocket League. Ah, j'ai son ancêtre sur PS3. Je crois que je vous l'avais présenté une fois, Rocket League. Merde. Ah, je l'ai lancé trop tôt.
J'ai lancé trop tôt. Oh, les bugs de collision, le machin, il est translucide, transparent pour le... N'importe quoi. C'est pas grave, c'est sans importance, mais bon, ça fait pas réaliste. C'est du foot, mais en bagnole. Oui, sans moi, oui, t'aimes pas, Fofan. Mais oui, oui, exact. Si, si, je vois, il a sa sortie, il était vachement à la mode. Alors, le jeu en question, je l'ai pas et je l'ai pas fait. Mais j'ai son ancêtre en fait sur PS3. Qui. Mais non, mais j'ai un peu pointé. Mais non. Sniff. Oh non, attendez, je vais essayer quand même de performer au moins une fois. Bah oui, que je vais réessayer la cascade. Je suis déçu. Je m'interdis la tête à Toto. Hein. Ah non, je suis trop loin. Je me rends compte pas de. Je me rends pas compte de la profondeur de champ. Oui, raté, oui, bah oui, tu m'étonnes. Je me rends pas compte de la profondeur de. C'est loin en fait. Faut quand même se coltiner une sacrée. Jongler entre les joueurs, regardez-moi ce massacre. T'es là comme ça? Ah oui. Ah, enfin. Oh là là. Bon, 17-10. Ah, je suis potentiellement dernier parce que les autres ont fait d'autres essais. Oui, c'est bizarre la manière dont ils comptent les points. Alors, je vais essayer de faire mieux que mon 17-10. Si je passe par la droite, bon ou pas bon? Oula! Attention, je vais t'enjeu. Oula! Oula! Bah, de 17-10, je passe à 17-17. C'est pas mon fort cette non. Bon merde. Juste voir le dernier, la vue extérieure. Allez, puis je passe à autre chose. On va revenir à. Oh, je vais peut-être me faire un petit bowling avant. J'aime bien le bowling. Enfin s'il m'est proposé dans la catégorie là, sinon tant pis, je continue dans la division. Enfin la division, ouais. Dans la classe que je suis actuelle, qui est la classe rue, c'est flat out. Je n'ai rien d'autre à déclarer. Merde, oui, bah zéro pointé, oui, bon, bah bou. Ah, attends, ici, est-ce que j'ai le bowling? Les anneaux de feu, nanana, speed and left, sky jump, baseball. Ah non, sky jump, tiens, on va essayer. Le saut à ski. Alors, descendez la rampe et lancez l'avatar le plus loin possible. Le score total est la somme des distances atteintes aux deux essais. Ah, ça se joue en deux essais ici, par contre. Pas trois. Ok. Appuyez longuement dans la commande, blablabla. Oui, bah c'est comme l'autre. Le fait de bien éjecter son avatar. Ah oui, c'est vrai. Oui, commande, voilà, ça réduit la vitesse si on essaie d'influencer sur la trajectoire du Gugus. Il y a forcément un malus en contrepartie. Dakodak, ok, que deux essais. Et demain, il y aura un Espagne Lucky. Oula, j'ai dit quelque chose, t'as rebondi sur mon propos, fun fan, mais je sais plus c'est quoi. T'as voulu faire un jeu de mots ou alors ton correcteur orthographique, t'as encore joué des tours. Espagne Lucky, oh mon dieu. Oh mon dieu! Oh merde, j'ai oublié que c'était le bout du truc. Eh, hey, pas mal. Allez, plus haut. J'ai fait 250 mètres, non? 273. Yeah. Dans ton jeu avec le chien et la blonde à sauver. Ah, oui, Spell Lucky. Oui, probablement que j'en ferai un petit peu demain, ouais. Si c'est possible, ouais, ouais. Bah tu vois, j'hésitais entre le jeu là et Spell Lucky maintenant. Et à mon avis, Spell Lucky, ouais, j'en ferai peut-être un petit peu demain, une petite heure. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bon, ça va, je suis pas dans les derniers. Donc, oserais-je dire que j'ai eu la chance du débutant, peut-être. Merde!
Non, je suis parti de travers. Là, vous voyez, je dégomme même les lumières. Non, mais non, là j'ai fait de la mouise. Allez plus haut, allez plus haut. Encore que. Bon. Ah, tu aimes bien regarder. Ok. Ouais, demain j'en ferai une petite heure. À mon humble avis. Alors, au moins on remarque une chose, les femmes aiment se faire envoyer en l'air. Oh. Ah oui, oui, vu Katie. Eh oui, eh, t'as raison. Katie Jackson, vous avez vu hein, comment elle s'envoie en l'air, on peut le dire, effectivement, ton retard. Mazette, 687 mètres cumulés. Alors que le deuxième est, entre guillemets, qui a que 605. Oh la vache. Mais je me défends hein. Je me défends. C'est... Wouh. Elles adorent le 7e siècle. Ah, plus poète, fun fan. Joli. Bien dit. Wouh. Bon, pas de récompense, mais c'était... Wouh. C'était à vivre. Alors, je vais retourner dans mes championnats... alors, attends, ça, tac, tac. Quelle heure il est? Parce que faut que je regarde l'heure aussi. Allez, je suis fou. Je suis le dernier. Je suis le dernier en 6 courses. Je suis taré. Il peut pas y avoir pire. Alors là, je vais en baver. Top concentration. Et surtout, grimper au... Oh, j'ai trop. Oui, mais pour que madame grimpe au rideau, il faut que monsieur présente sa tringle. C'est dégueulasse. Hop. Oh non! Je me suis encastré dans le pilier. Moi, ça commence mal. Oups. Non, le capot, je le sens pas du tout. Oh. Bon, bah au moins ça c'est fait. Voilà, je vais me relancer. Courage, on y croit. Plus de gueule. Plus de gueule. Dérapage de fou, on aurait presque pu croire que c'était au frein à main. Oh le bordel derrière moi. Quand on le voit sur la mini-carte là dans le virage en épingle, c'est parti dans tous les sens. Il doit y avoir un giga carambolage. Ça me rappelle le Tour de France. Une des dernières fois que le Tour de France était passé dans ma ville. Et dans le dessin du... Oh. Dans le dessin de l'étape, en fait, arrivé sur Nancy, ils ont rien trouvé de mieux que leur mettre une grande descente avec un virage à 90 degrés au bout. Donc forcément, il y en a plein qui se sont vautrés, qui se sont plantés en merdant leur freinage et... Enfin bref, c'était n'importe quoi. Ça a gâché la fête, en fait, parce qu'il y avait pas mal de cyclistes qui s'étaient ratatinés. Et puis qui avaient ruiné au moins leur course, leur étape. Si c'était pas ruiné leur tour littéralement, parce que au niveau des bobos, dur quoi. Merde, boum. Oula, je... Oh! On pourrait se promener, d'accord, dans la ville. Être totalement hors course, je m'attendais pas à ce que ce soit un élément destructible, vous voyez. Enivrant presque de se dire qu'on peut se barrer dans les ruelles. Ah, alors, c'est le dernier tour, mais je commence à fumer. Donc déjà, je suis plus au top de ma... puissance, vitesse de pointe, accélération. Hein, mais... Je... Merde. Ah, que j'essaye de maintenir mon podium. C'est dur.
C'est la violence. Oh, Kitty est cuite. A plus de Kitty. Oh! Je lui ai ravi la deuxième place dans le dernier mètre. Ah, la pauvre Sophia qui est partie en 1. Et ça fait mon affaire. Youpi! Je sais même plus comment déposer ma manette pour poser les mains. D'ailleurs, surtout quand je la mets à l'opposé. Quick. En PLS. Alors, que je vous lise. 7e siècle. Tu as dit au lieu de 7e ciel. Oh, j'ai du mal à écrire. Le cerveau a bugué, mais oui, oui. Ah, c'est moi qui ai mal lu le mot. Ah, pardon. Ah, pardon. Oui, bah, mais un coup pas. Oui, j'ai lu trop vite, en fait. Oui, le cerveau se relâche, oui. On n'en parle pas. C'est, oui, c'est détente, c'est ça. Relâche. C'est la relâche. Bien dit. Oula. J'aimerais pudiquement me moucher. Attendez, je vais couper mon micro. Et rabattre pudiquement, j'en ai pour 30 secondes, excusez-moi. Oui, le temps passe affreusement vite, mais ça veut dire qu'on passe tous un bon moment en fait. Donc voilà, le constat est quelque part heureux aussi. Et il fallait que je me décongestionne le pif. Je respire beaucoup mieux. C'est cool. Bientôt le changement. Ah oui, merde, t'as raison. Oh, ça me tue une scène. Franchement, que l'Europe. Là, il y avait le coup de la pandémie. J'espère qu'ils vont pas nous trouver un prétexte à la noix. Pour vous dire, ah bah non, on reporte encore le fait de fixer une heure à l'année en Europe et qu'on arrête le changement de hiver, été. Oh, j'en ai marre des changements d'heure, mais vraiment, vraiment. Le jour où c'est vraiment acté qu'on passe plus le... Je champagne, mais vraiment. Je le fête avec vous. Oh là là. Oui, je sais pas si vous avez des infos dans ce sens d'ailleurs. Pardon, excusez-moi, j'ai une merdouille sur les lèvres. Est-ce que vous avez des infos dans ce sens comme quoi le Parlement européen s'apprête à entériner, surtout à enterrer le changement d'horaire là. Oh, j'en ai marre. Ça m'énerve, mais alors. Au plus haut point, le changement d'heure, ça m'insupporte. C'est un truc tout bête, hein, mais ça me bouffe tous les 6 mois de tout changer. Avec les ordis, justement, qui ont le niveau technologique pour se calibrer d'eux-mêmes. Oh, gardez l'heure que vous voulez, entre hiver ou été, mais gardez-la. Je veux plus. Fin octobre. Ok, merci, fan. Bon, ça va, on a encore un mois, mais... Concentration. Message de Fun Fan. Oui. 1992. Oui. À cause du Covid, c'est tombé à l'eau. Et puis le problème, c'est qu'il y a des pays qui veulent garder l'horaire d'hiver. Et d'autres qui veulent l'horaire d'été. Donc ils veulent pas un patchwork, ils vont rester sur eux comme ça. Soyez poétique, moi je propose l'horaire de printemps. Juste une demi-heure de décalage. Eh, c'est peut-être ça la solution.
Et je rigole, mais j'ai peut-être émis une hypothèse valable. On déclare l'heure de printemps, une fois, symbolique, pour entériner ça. Et on avance ou on recule juste d'une demi-heure. Ça coupe la poire en deux. Eh, c'est... Eh, j'aime bien mon idée. Vous voyez, je voulais vanner, mais... Mais tu vois, il fallait que je fasse l'idiot pour que je me rende compte que finalement l'idée elle est loin d'être idiote. Bon, je présume que d'autres y auraient pensé avant moi, évidemment, ça va de soi. Mais ah, ce serait beau en plus symboliquement. Déclarer une fois une heure de printemps, hop, une demi-heure de décalage et on n'en parle plus jamais. Ce serait d'une poésie. Oui, t'adores la voix choisie, ouais. Ça correspond au ton souhaité. Ouais, c'est bien. C'est cool. Ce serait... Hé hey, une autre idée, fun fan. Je m'inspire des bibilles. Vous savez quand on fait point d'exclamation play suivi d'une valeur pour définir la texture, la forme de notre bibille jouée. Eh ben, ce serait pas mal qu'on puisse... Oula. Choisir la voie de synthèse qu'on veut à partir d'un nombre. Après fixer, encore qu'il faut une syntaxe particulière. Mais ça pourrait être mis en place, ce serait pas mal ça. On pourrait solliciter la voie que l'on souhaite. Ah, il y a des choses à faire. J'ai mis des hypothèses. Message de Fun Fun, 1992. C'est pas une bonne idée, parce qu'on aurait une demi-heure d'avance ou une demi-heure de retard sur le reste du monde. Ou sinon tout le monde devrait le faire. Tu me poses une colle. Oui, c'est vrai, les fuseaux horaires, c'est vrai qu'avec le méridien de Greenwich... C'est vrai qu'on a tranché en 24 horaires. Mais... Oui, t'as raison, Fun Fun. Oui, jolie voix sensuelle. Oui. Non, mais visiblement, t'aimes toutes les voix, c'est beau. Mais. Ma québécoise salace, le monde quand même. Le mec qui parle mal. C'est... Bref, oh, hey, je dis des sottises, mais faut que je me concentre là. Parce que la course est quand même relevée. Il faudrait pas que je me laisse trop distraire. J'ai la couche. La course est intense. Frank Malkov a été mis en pièce. Ah, Sophia. Oh là là, il y a deux morts. Il y a Sophia Martinez qui est parvenue à me dépasser. Oh, encore un éliminé. Oh vache. Ça déconne zéro. Ça déconne zéro. J'espère que je vais finir la course en un seul morceau. Oh, boudou, me suis fait peur. Merde, je prends le commandement de la course. Ah si. Aïe. Il y a trop de débris. Ça me met la pression. Alors ça c'est psychologique. Faut réussir à jouer avec le psychologique. Pardon, c'est l'éternuement de la victoire. Merveilleux. Oh, 5 éliminés. En fait, il n'y a qu'un seul podium. Oh, il y a la hausse.
Merci pour l'équipe. Ça, c'est très bien gardé, la voix sensuelle. Excellent. Mais je me suis enrhumé. Pardon, je me remouche. Alors le coup de m'enrhumer, ça c'est ma bêtise de ce matin, d'avoir démarré mon direct sans en ayant omis de mettre mes chaussettes. D'avoir été pieds nus, pas bien. Donc du coup j'ai chopé un petit peu froid. Bien fait pour ma gueule, comme dirait ma maman. Intéressant d'interroger Wisebot sur les hauts, sur des recettes de cuisine. D'ailleurs, la dernière fois, il m'avait conseillé la bonne cuisson au four de mes coques monsieur, et c'est vrai que c'était délicieux. D'ailleurs, coques monsieur, je vais m'en refaire la semaine prochaine. J'en ai envie et je me suis racheté ce qu'il faut pour m'en faire des coques. Bref. Recette de purée, épluche et coupe les pommes de terre en morceaux, fais-les cuire dans l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Égoutte-les, ajoute le beurre, le lait chaud, écrase tout dans le presse-purée, assaisonne de sel, poivre et muscade. Ah oui, de la noix de muscade, c'est pas idiot du tout. C'est vrai que j'ai pas la présence d'esprit de prendre de la noix de muscade quand je savoure la purée. Mais oui, exact. Je peux couper mon serveur 10 minutes. Bah oui, tu peux. Oui, tu peux, cousin. Je sollicite pas. T'inquiète pas, tes services, merci. Comme je suis en mode jeu, donc. Oui, tu peux couper le serveur, largement. Tu peux, fais donc. Oui, la NAS, oui. Non mais. La NAS, en fait, cousin, tu saurais que je te la sollicite pas le week-end. Ne t'en fais pas, merci. Elle a dû faire une maintenance. C'était pas moi qui l'avais. Elle a sûrement fait une maintenance. Ouais, non, le coup de la NAS qui s'agit toute seule, ça doit être un processus périodique d'entretien, d'optimisation. Du genre, elle s'est auto-défragmentée, un truc dans le genre là. Faut pas chercher. Mais oui, c'est bien un serveur NAS dont on parle toute scène. Alors, je trouve des objets trop cool. Oui, dans Starbound. Oui, non mais le jeu est riche de... Je serais incapable de dire combien d'objets il y a dans Starbound, Jack. Et à l'époque, au début du jeu, je crois que c'était en 2015-2016, bah justement, je l'avais découvert grâce au tandem célèbre de l'époque, Fanta et Bob.
de Fantasio 974 et Bob Lennon. Et je l'avais regardé dans un de ses extras de Rediff Twitch. Il avait fait un code de triche parce que il voulait accélérer les choses. Bref, il avait fait un code de triche pour tout déverrouiller. Et en fait, il s'est fait assommer par la liste interminable de tout ce que tu peux trouver à l'époque. Hein, depuis, il y a eu des mises à jour pour du contenu additionnel. Il avait été assommé par la liste interminable de d'objets qu'il y a à numériser. Starbound, c'est du concentré, mais il est superbement bien pensé, bien conçu, ce jeu. Donc, voilà, il faut faire gaffe avec ce jeu-là, dans le sens que c'est chronophage, tu t'en es aperçu, Edge tout à l'heure. Tu peux y rester du matin au soir sans t'en rendre compte, te laisser happer par... Il est génial. Mais hypnotique et dangereusement chronophage. Désolé, fan, j'ai parlé. Oui. Il a plus pour lui. Oui, non, il y a un peu de confusion dans le chat parce que il y a plusieurs sujets de conversation en fait. Et pour savoir qui parle de quoi, effectivement, je reconnais que ça commence à devenir délicat. Dès qu'on est près d'une dizaine d'actifs dans le chat à parler de tout et de rien, je reconnais que l'exercice intellectuel est particulier pour savoir qui s'adresse à qui. Voilà. Homer Doom. Alors là, je me suis bien tué. Magnifique. Ah, ça va pas recommencer. Et merde! Ah, mais dégueulasse! Aïe! Ah bah bravo! Ah bah n'importe quoi! Oh là là là! C'est un carnage! Attendez, j'ai vraiment relancé les gars, merci! Voilà! Bon, bah je crois qu'on est scindé en deux pelotons et j'ai pris la tête du peloton arrière! Et merde! Alors, une fois de plus, je vais devoir me concentrer et essayer de revenir en tête. Oh, le bordel, la disposition des objets dans le premier tour, c'est une catastrophe. Oula. Attention, je passe pas par là. Allez, vite, c'est la ligne droite, fonce. Bouge. Tour le plus rapide, tu m'étonnes, je suis un peu pressé là, j'aimerais juste être performant. Je suis bloqué à 270 km/h, le truc de fou. Mais très bien. Je ne pouvais pas mieux faire. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe, du coup, mon véhicule est endommagé. Oula. Maintenant, il faut que j'essaie de garder le rythme. C'est un autre problème. Voilà, ça c'est fait. Mais non! Mais non! Mais cette caisse à la CON! Mais... Je vous demande de vous arrêter. Oh, je vais mourir. Au secours, je fume noir. Encore un choc et je suis mort. Oh là, c'est une catastrophe. Mais vraiment. Non, au secours! Non, je vais lamentablement perdre cette course qui aurait pu m'être aisée de gagner. Je suis dégoûté. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais. Allez, vite, barre-toi! Oh là là, j'ai l'impression que j'ai la courroie de distribution qui va lâcher, là. Ah! Bouge de là, comme dirait M. Solar. Je suis tout feu, tout flamme. Au secours, j'ai chaud. Ah non.
Oh! Ouh! Quelle horreur! Un moyen! Avec la musique du drama qui nous accompagne. Mais j'ai jamais eu une disposition aussi catastrophique de débris sur cette piste. Le sort s'acharne sur moi là. Non! Serait-ce le karma? Au secours. Je ne mérite pas ça. Je conteste vigoureusement. Voilà. Ah! Non, j'arrive pas à stabiliser ma. Je suis mort. Non! Je suis mouru! Oh, quel dommage! Changer de vue. Oui, ça aurait pu être une solution. Tu as eu un codex humain. Ah oui! Très bien, Jeff. Je voyais plus à quoi ça correspondait dans le jeu. Alors, Christopher Nolan est favori pour réaliser les deux prochains James Bond. Ah, on n'a pas de nom pour ouais, Daniel Craig, et, ouais. Le prochain acteur incarné James Bond. Une James Bond girl qu'ils embauchent Gillian Anderson. Je vais faire rager ce fan. Qui veut pas de James Bond girl en... Enfin bref, on en avait déjà débattu avec... c'était bien d'ailleurs le débat qu'on avait eu sur ton antenne, cette fan. Le sujet que James Bond peut être remplacé par un protagoniste de sexe féminin. Alors, j'aimerais que ce soit un jeune acteur qui est entre 25 et 30 ans. Alors, ce sera forcément un Britannique. Un symbole. Oui, dans les bouquins, c'est un homme, mais il faut respecter ouais, les bouquins d'origine. Ouais, bah, non, je comprends, ça se défend. Ça se défend. Donc, un acteur britannique entre 25 et 30. Et bah, on pourrait prendre l'acteur anglais, là, qui m'a... Justement, qui a fait Grand Turismo, là. Je sais plus son nom. Mais il fait pas mal, il présente bien ce garçon. Il répond à tes critères, fan fan. C'est très bien qu'il devienne le nouveau James Bond. Re-Roster. Alors, attendez, oula, j'arrive à suivre le chat. J'ai lu l'info hier, mais j'y crois pas du tout. Ah oui, par rapport à Christopher Nolan, ouais. Réalisateur des futurs James Bond. Comme dans Pokémon, la codex humain comme dans Pokémon. Non, les livres, c'est un homme. Ah, oui, ok, ça tu l'as dit. Je pensais à Idris Elba. Alors, je suis pas cinéphile, hein, du coup, vous pouvez dire des noms. Fun fan, tu me dis obligatoire qu'il soit anglais, il doit être issu du Commonwealth. Exactement, ouais, ouais. C'est la volonté stricte de l'auteur original. Oh, je savais pas qu'on pouvait dégommer les photos du. Ah, intéressant. Ah, intéressant. Je savais pas que c'était un élément destructible, tiens. Je viens de l'apprendre dans le ralenti. Henry Cavill. Je connais pas. Mince, l'auteur original justement des bouquins de James Bond, c'est. Trou de mémoire horrible, culture générale. J'allais dire Rick Arthur. Ian Fleming, merci. Ian Fleming, merci. Bravo. Bonne réponse, AJ Club et Aronster. Merci les garçons. C'est ça. Pas fun fan. Je suis bête. Mais ouais, t'as réussi ton troll. C'est malin. Non, j'ai fini en flamme. Je suis dégoûté. Hein. Je suis moru, j'ai pas fait mon dernier tour. Ah, puis il me manquait une roue, ouais.
violence absolue. Je suis sur trois roues. Tu m'étonnes que j'avais un mal de chien à rallier l'arrivée. Oh là là, non mais c'était fini de moi. Ouch. Ah non mais là le bolide il est inconduisible, laisse tomber. Même étonnant que ça arrive encore à me mouvoir à ce moment. Oh là là. C'est la catastrophe. Ouais. Le championnat est relancé. La suite dit quoi? Il y a un hôtel, j'ai vu dans la miniature de... miniature de présentation du circuit. La 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 la. Il a perdu le contrôle de son bolide. Oh! Oui, je la sentais pas. Je sais pas pourquoi, mais l'accrochage que j'ai eu à deux dans le tunnel, enfin dans le tunnel, dans cette voie-là, avec nos deux pick-up, ça passait pas. Oh! Le rouleau compresseur, comment qu'il a giclé comme un caca. Non, oula. Ne reste pas planté là. Ouais. Bon, bah mon championnat tourne mal. Et vous voyez, comme c'est le dernier championnat le plus dur de la catégorie rue, oula l'autre à côté de moi à droite, là il partait. C'est dur, hein. C'est technique, les circuits sont balèzes, on est à haute vitesse, dur dur. Bien bon. Oui, que je perde le capot en ligne droite, merci, ça m'arrange, au moins c'est ça de fait, on en parlera plus. Ouh! Il y a trop de débris. Non, c'est mort. Je suis mieux au bout du podium. Bien essayé, mais non. Ah. Voilà, fallait que ça sorte. Excusez-moi. Ah, c'est horrible quand ça vous titille les nerfs. Bah. Alors, hâte de revoir l'accrochage à deux pick-up dans une seule et même voie, là, c'était pas mal. Une belle illustration de collision. Je suis persuadé que le point de vue extérieur et télévision vaut son pesant de cacahuètes.
4 et j'ai la musique de Steve Jobs, je regrette. Ouais, bah je termine mon championnat, je crois qu'il y a encore deux courses. Et évidemment, j'ai pas regardé l'écran au moment de la séquence qui me, hein, qui me plaisait le plus. Comme d'hab. Bref, encore deux courses de mon championnat. Et puis, on va chez toi, Fenfan, pour la suite d'une très intéressante sanitaria. Je suis moi-même captivé par la suite de tes aventures. Ah! Oui, non, je le dis pas maintenant, je le dirai tout à l'heure en primeur sur ton antenne. J'ai une pensée précise pour Sanitarium. Attends, comment je m'étais encastré là? Ah bah dans l'arbre, ok. C'est le plan de caméra qui me déstabilisait. Ouais, ouais. L'autre il était déjà en flamme. J'aime bien la forme sculptée de mon véhicule. Sur le côté, il y a quelque chose de... J'ai l'impression que mon pick-up essaie de se transformer en voiture de course, mais bien profilée et aérodynamique. Presque le dessin d'une Lamborghini. C'est rigolo. Je me défends, mais ça suffira pas. Tour le plus rapide. Ça fait plaisir. Ouais, non, non. Je suis en train de tout doucement décliner dans le classement du championnat. Voilà, avant-dernière course. Alors qu'il va être... les 15 heures vont être sonnées, là. À mon avis, on est sur ton antenne, hein, entre 10 et 15, Fun Fan. Pour Sanitarium. Oh, bien joué, EJ. Je viens de dire que tu as réparé ton vaisseau dans Starbound. Tu déverrouilles donc les voyages intergalactiques. C'est bien, tu vas découvrir de nouvelles interfaces de contrôle de ton vaisseau. Et tu vas voler tes propres ailes. Alors attention, EJ. Lis bien les informations. Quand tu t'apprêtes à rentrer dans un système solaire et surtout les planètes dans la mise en orbite, prends le temps de bien lire les caractéristiques de chaque planète ou chaque corps céleste de manière générale que tu pourrais aborder, parce que l'information peut être capitale. Tu l'apprendras vite d'expérience. Vraiment, ne perds pas une miette de ce que te dit ton vaisseau ou ton tableau de bord. L'exploration spatiale est délicate. Les nains directs, la plus. Merdoum, il y a des travaux dans le tunnel. Oh là, le freinage est discutable. Vitesse de pointe que moi. Salopard. Ha ha! Il est un Bolt! Alors que Katie Jackson s'est fait exploser la malheureuse. Alors qu'on est à mi-course, visiblement. Ah, je suis mis en péril par Sophia Martinez, la redoutable pilote, et. J'en ai les chocottes et...
pas. Résiste, prouve que tu existes. Encore du tout. Incroyable. Je fais le pilotage d'un pilote de Formule 1. Au fur et à mesure que mon réservoir d'essence se vide, je suis plus léger et plus performant de quelques dixièmes de seconde à chaque tour. Que m'arrive-t-il? Oh. Je me transcende. Ah, oh, deux éliminés. Mazette. Que je tienne. Je tienne le coup. Oui! Magnifique! Je me relance dans ce championnat de fous furieux et j'ai même pas fait usage de toute ma nitro. Ah oui, c'est bon! Waouh, je l'ai remis presque 10 secondes. C'est comme ça qu'on fait! Oui, ouais, fait fan à. À 15h10 même, je te fais le relais, parce que finalement la course était assez courte là. À 15h10, je te fais le relais de chaîne à coup sûr. Le temps de voir le ralenti là rapido et puis d'enchaîner la course. Le relais de chaîne, je le lancerai le temps du dernier ralenti, donc la transition sera plus trouvée. Ah, les portières qui s'ouvrent. Pas très aérodynamique tout ça. C'est rigolo. Eh, franchement, de l'intérêt d'essayer de tenir tête le commandement de la course du long, parce que du coup, bien maîtrisé, bah, je préserve ma bagnole. Là, elle est pas trop cabossée, j'ai la pleine performance et voilà. Il n'y a pas de secret. Ça devient vraiment de l'ambiance. Oh joli! Waouh! Oh la vache! De mon poste de pilotage, j'ai pas vu la violence avec laquelle l'accident s'est produit derrière. Enfin à côté derrière moi. Waouh! J'aurais pas aimé être à la place du pilote. Enfin des victimes. Là aussi, ça fait un joli clip pour l'occasion. Vous du dieu. Miaou.
dernière couche. Ah ah. Ce suspense. Ce suspense insoutenible. Je suis second ex aequo dans le championnat. Et la reine est Sofia Martinez. Que va-t-il se produire dans cette sixième et dernière course intense? Trois tours. Oui, bah ça va être vite expédié normalement. Même avec un circuit long, ça va être vite expédié. Ah, oh, puis c'est pas comme s'il y avait une ligne droite de ma boule. Merde. Mais lui, il adore aujourd'hui me faire ça. Hein. C'est incroyable. Jamais 203. Non, bah, et oh, c'est dit, tu vas pas t'y mettre non plus. Fini. Oh. Oh. Oh, oh, le lampadaire. Ah bah d'accord, Célie est déjà morte. Elle a pas... Elle a pas fait 500 mètres de tracé, elle est morte. Non mais la violence de ce dernier championnat, mais laissez tomber. C'est hallucinant. Galaxy Mall. Oh. Votre centre commercial a démonté à foison. Ouh, on est porte ouverte. Oh. Oh, oh, oh. Oh le feu. Voilà, premier tour de tracé vite bien fait sur les trois. Ah! Non! Non! Pas ce débris, au secours! Il se passe des choses que je ne saurais décrire. Oh, du, du. Tu retournais comme une crêpe. Oh, la vilaine! Mais comment qu'elle a fait pour partir pleine trombe sortie du virage en épingle? Ça semble. Ah bah, tout ça pour ça, bravo. Dommage, elle a ruiné sa performance qui était magnifique, qui soulevait mon interrogation, mais. Tout ça pour ça, c'est vraiment dommage. Attention, attention. Oh là 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 là! Oh, ce. Ce lampadaire qui est encore actif alors qu'il a une totale indépendance, c'est psychédélique. Mais malade. Et je suis vraiment concentré hein. En pilotage là, c'est je suis presque à 100% façon pilote de Formule 1 hein. C'est vous dire la difficulté avec laquelle il faut piloter et maintenir son bolide en vitesse moyenne constante élevée. Ça sent bon, mais ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir zigouillé. Et je ne me lasse pas de l'effet dissipation thermique des plaques d'égout, là, c'est trop bien. C'est tout bon, mais l'émanation de fumée. Pose une ambiance, une atmosphère que j'adore. Je crois que c'est inspiré de Deus Ex Premium d'ailleurs. Et franchement, c'est trop classe. Merde! Pardon. Vous voyez, une faute et je passe de premier à troisième. Alors, ah, Sofia est troisième, donc je pense qu'elle a, elle a gagné, elle a sauvé son championnat. Je pense. Je pense, je pense. Ouh. Ouh. Bon, bah, la transition de chaîne va se faire avec le... Est-ce que t'as lancé ton signal, FunFan?
Pardon, j'ai pas fait attention si il y a eu l'alerte que toi t'avais démarré. Comme j'étais évidemment pleine concentration, pleine balle en course. Tu vas lancer, d'accord, ok, merci FanFan, vas-y. Alors j'attends moi d'avoir la notification pour toi t'as lancé et j'amorce le relais de chaîne. Donc déjà merci à vous toutes et toutes d'avoir été là, hein. Je commence les remerciements. J'anticipe. Merci pour les clips, merci pour la modération, FanFan, Torota et Roster. Merci, merci pour tout. Lance pas trop fort. N'importe quoi. Et voilà, on se retrouve chez FanFan dans quelques... dans 2 minutes même pas, à mon avis, pour Sanitarium. Le très intéressant et... psychédélique est pas le bon terme, mais énigmatique Sanitarium, voilà, qui est mieux qualifié. Hâte de voir la suite de tes péripéties, FanFan. Oh, comment... oh, c'est rigolo cette image. J'embarque le feu de civilisation, dis donc. C'est-il pas beau? Ah oui, je vois. C'est bon, t'as lancé. Ben, c'est bien, je vais faire le relais de chaîne. Alors, attendez, pardon, ça va faire sauter le jeu parce qu'il faut que j'ai le focus sur mon action de... Hop, voilà. Et on va se quitter sur le... sur l'image du jeu. Alors je te rejoindrai après dans ta vocal Discord, FanFan. C'est une question de 2 minutes. Tu peux déjà ouvrir l'appel si tu veux parce que ça se coupe qu'au bout de 3 minutes et j'aurai déjà largement fait la transition. Histoire qu'on arrive à se faire une transition à peu près propre. Z2Blay, mon GR FanFan. Donc moi je vous dis tout à l'heure en soirée, on sera sur des bibis. Peut-être un autre jeu, je sais pas, on verra. En fonction de vos envies, de ma forme, etc. etc. Mais au minimum, ce soir, je vous ferai des... aux environs de 19h, je vous ferai au moins... l'appel est fait, merci, ouais, j'arrive, FanFan. Je... Grand Prix de 16 courses de Bibi, et... il y aura peut-être même possiblement 2x16, je sais pas, on verra, mais j'ai... je suis en bonne forme. Dites-vous que je suis en bonne forme aujourd'hui, je suis d'excellente humeur, donc je vais possiblement jouer les prolongations ce soir, d'ailleurs. Voilà, je suis en mode fêtard, je suis content, profitons-en. Wally, Wally. Chabibi. Oh le bobo, oh là là. Oulouloulou. Comment j'ai boxé la bagnole. Bon, je vais commencer à faire la transition. Donc je coupe la zipline. Je sens que je vais garder l'indice. Non. Ouais. Mais c'est bizarre qu'ils mettent la jauge 100%. Bref, voilà. Oh là là, on est collision. Ah bah c'est pas l'arrivée ça? Si, je crois que c'est l'arrivée. Il y a Sofia qui arrive en trombe derrière. Donc résultat du championnat. On va regarder rapidement. Je suis. Deuxième. Oh, ça s'est joué à 1 point. Incroyable. Waouh. Eh ben on verra ça la prochaine fois. Mais qui les gens? Allez où? Alors, FanFan. FanFan. Discord. Hop là. On a été coincé là. Ah, le sage vient d'arriver. Oui, bonjour tout le monde. J'arrive, je me mets en place. Oui. Je fais un petit montage pour YouTube, mais bonjour et tout. Donc, on va essayer de.